C'est minable, cette vidéo de Camille Lelouch lui attire la foudre des internautes. Camille Lelouch a partagé un nouveau sketch sur Instagram, mais sa vidéo a vivement été critiquée par les internautes. Camille Lelouch est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. L'humoriste est très active sur les réseaux sociaux et pousse régulièrement des coups de gueule, mais également des coups de cœur. La jeune maman n'hésite pas non plus à partager son quotidien avec ses abonnés, toujours avec beaucoup d'humour. Depuis quelques semaines, sa vie a été bouleversée par l'arrivée de sa fille, prénommée Alma, née le 9 octobre dernier. Malgré la fatigue, Camille Lelouch n'oublie pas de publier de nouveaux sketchs et sa dernière vidéo a divisé les internautes. Le 9 décembre dernier, la jeune actrice s'est filmée face caméra et a décidé de partager une nouvelle vidéo humoristique. Le sujet, un détail physique qui la répugne particulièrement. Je prône la tolérance, le respect, l'amour, mais il y a des trucs sur lesquels ce n'est vraiment pas possible pour moi. Tu fais ce que tu veux de ton corps, des tatouages, des piercings, a-t-elle démarré, avant de préciser que le truc rédhibitoire pour elle. T'as vu ceux qui mettent des écarteurs d'oreilles, a-t-elle annoncé. Elle a alors révélé, ce que je ne tolère pas et ne respecte pas du tout, même vous ne devriez pas le respecter, c'est quand vous décidez d'enlever les écarteurs à vie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as un gros lobe qui pendouille dégueulasse. Camille Lelouch, ce que je ne respecte pas du tout. Camille Lelouch a également ajouté, ça, ce n'est pas possible. Soit tu vas te faire recoudre les lobes, soit tu remets ton écarteur. Bien qu'il s'agisse d'un sketch, la jeune maman s'est attirée les foudres des internautes. Certains se sont offusqués du jugement de l'artiste qui chante « Ne me jugez pas ». Bravo la tolérance. C'est là qu'on voit le vrai visage des gens qui critiquent et se moquent du choix des gens sur leur physique. C'est minable, je suis déçu de voir ça, a notamment commenté un abonné. Un autre a alors déploré, pas drôle d'aborder et d'afficher le complexe de certains. Sa vidéo n'a pas fait l'unanimité, même si elle avait signalé qu'il s'agissait d'un sujet touchy.